Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouveau format de vidéo. Dans ce nouveau format, on va essayer de parler chaque semaine de l'actualité saillante du monde du cheval. On va l'appeler l'actu hebdomadaire du cheval. Donc dans ce premier numéro, on va parler des deux actualités qui ont marqué le week-end. On va parler d'abord du championnat international de l'attelage des jeunes chevaux qui a été organisé ce week-end en France par la FEI, la Fédération Internationale Équestre. Et la deuxième actualité, c'est le Morocco Royal Tour qui est organisé par la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres. Ce tournoi se déroule en trois manches. La première manche a été organisée ce week-end à Tétouan, au nord du Maroc. Donc commençons par la première actualité, le championnat international des jeunes chevaux de l'attelage. La Fédération équestre internationale, la FEI, a organisé au parc équestre La Motte-Bouvan l'édition 2023 du championnat du monde FEI d'attelage jeunes chevaux. Et La Motte-Bouvan est une commune française située dans le département de Loire-et-Cher en région Centre-Val-de-Loire. Et son centre équestre est splendide et considéré parmi les meilleurs au monde. Donc ce championnat du monde d'attelage a été organisé sur 4 jours. Et à l'issue de ces 4 jours, les nouveaux champions du monde des chevaux 5, 6 et 7 ans ont été sacrés. Le français Fabrice Martin, avec son cheval C'est le français et Dormel Noir EFCE, est sacré champion du monde d'attelage 5 ans. Pour les 6 ans, c'est le Suisse Mario Gondolfo avec son cheval Limeca qui a dominé la compétition. Et pour les 7 ans, le trophée est remporté par la luxembourgeoise Marie Shields avec Freddy Friday 12. Et durant ce week-end aussi, il y a eu l'organisation de la première manche de l'MRT, le Morocco Royal Tour à Tétouan. Et après 4 jours de compétition intense et de haut niveau, le cavalier italien Emanuele Gaudiano a été le plus solide avec son étalon Nicolae de musique, qui a devancé le belge Cyril Coles, engagé avec le puissant Melton 2. La prochaine étape du Morocco Royal Tour sera organisée le week-end prochain à Rabat, au parcours mythique de la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres à Dar es Salaam. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine avec des nouvelles actualités du cheval.